sources. Le fait que les mesures s'assouplissent, c'est sûr que ça a des conséquences aussi au niveau des professionnels. Puis, ils ont pas lâché là, depuis la pandémie. Fait que c'est encore d'en mettre une pression supplémentaire. Et au même moment où les cas augmentent, les coupures de certaines primes COVID sont toujours prévues pour le 16 avril. Peut-être d'y penser avant de couper les primes parce que ça va avoir vraiment un impact majeur. Les gens, ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent, ils en font, mais à un moment donné, il va falloir aussi reconnaître le travail. Afin